Bonjour à tous, voici la première capsule vidéo du réseau Capsule Indépendance, le réseau Capsule Indépendance qui rallie plus d'une vingtaine d'organismes citoyens indépendantistes du Québec. Alors ces capsules vidéo, il y en aura plusieurs, traitent de questions d'actualité, l'actualité politique, l'actualité du mouvement indépendantiste. Et aujourd'hui, on va parler de la question des patriotes, puisque prochainement, il y aura la Journée nationale des patriotes. Et pour l'occasion, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous Robert Comeau, historien, qui va nous entretenir sur la question de l'indépendantisme des patriotes. On célèbre cette année le 175e anniversaire de la révolte des patriotes. J'aimerais vous rappeler sept grands textes à teneur indépendantiste, sept moments qui ont été des étapes importantes de notre lutte de libération nationale. La première étape, février 1834. Après des années d'affrontements au Parlement entre l'Assemblée élue et les deux conseils formés des amis du gouverneur, le Parti patriote formule ses 92 résolutions. C'est un texte qui réclame de toute urgence des réformes du régime. Papineau, Morin et Bédard réclament que les membres du gouvernement soient responsables devant l'Assemblée des députés élus. C'est à l'Assemblée d'en voter les budgets, pas aux gens nommés par le gouverneur. Les patriotes veulent le gouvernement responsable, ce qui veut dire que les membres du gouvernement, les membres des deux conseils, soient choisis parmi les élus et qu'ils soient responsables devant l'Assemblée des députés élus. Dans le régime colonial en place, les conseillers bloquaient les projets de loi des élus. Ce n'était pas démocratique. On comprend que se battre pour obtenir ses droits démocratiques, c'est se battre pour l'indépendance du pays. L'indépendance est alors inhérente à l'accroissement de pouvoir des élus. Et l'autorité vient du peuple et non du roi ou du gouverneur. On défend la République et non la monarchie britannique. Il faut se rappeler cet idéal républicain des patriotes, comme les partisans de la République d'Irlande qui ont fait leur indépendance en se séparant de l'Empire. Londres a dit non aux demandes des patriotes par les résolutions Russell. Cela a mis le feu aux poudres. On arrive à la deuxième étape. Printemps 1837, le 7 mai 1837, les résolutions de l'Assemblée de Saint-Ours déclarent que c'est le peuple qui est la seule source de légitimité. Le Parlement impérial n'a aucun droit sur la conduite des affaires de notre pays. L'autorité vient du peuple, non du roi. On défend la République et non la monarchie. Troisième étape, 3 mai 1837. Dans son discours à Saint-Laurent, Papineau déclare que le peuple a le devoir de se substituer à l'autorité impériale qui s'est rendue indigne de gouverner la colonie. On s'inspire de l'exemple de l'indépendance des États-Unis face à l'Empire britannique. Quatrième étape, automne 1837, le 4 octobre précisément, André Ouimette, dans son adresse des Fils de la liberté aux jeunes gens des colonies de l'Amérique du Nord, déclare que c'est le destin de toute l'Amérique du Nord de suivre la voie tracée par les États-Unis, c'est-à-dire la voie de l'indépendance. Cinquième texte et cinquième moment important, le 24 octobre, Papineau, Girod et Pierre Boucher, Belleville, jettent les bases d'une assemblée constituante chargée de donner une nouvelle constitution aux Canadiens. La tête de Papineau est alors mise à prix. Soulèvement des patriotes, double soulèvement, dans ce sens que les radicaux Tories, les Montrealers, veulent aussi un affrontement armé pour écraser les patriotes et pour faire imposer par la force l'union des deux colonies qui placera les Canadiens, aujourd'hui on dirait les Québécois, en minorité. Ces Montrealers sont contre toute politique de conciliation. Ils veulent l'écrasement militaire des patriotes qu'ils qualifient de « French domination ». Il collabore avec le chef militaire Colborne et sa répression. On abolira l'Assemblée du peuple québécois pendant 30 ans, de 1837 à 1867. Nous n'aurons pas droit à notre Assemblée nationale. Et l'union politique sera imposée en 1840. C'est une nouvelle conquête après celle de 1760. Après la conquête militaire, c'est la conquête politique. Sixième étape, le 28 février 1838. Robert Nelson et Cyril Côté déclare l'indépendance complète du Bas-Canada, doté d'un gouvernement républicain. L'appui des États-Unis, des Américains n'est pas venu.
c'est la répression, l'emprisonnement, la déportation et l'exécution de patriotes. Parmi ces derniers, Chevalier Delormier. Septième étape, Chevalier Delormier, à la veille de sa pendaison, livre un testament politique affirmant clairement que l'indépendance est indissociable de la lutte pour la démocratie et la liberté. N'oublions pas que tant qu'elle ne sera pas obtenue, l'indépendance politique demeurera toujours à l'ordre du jour, malgré tout ce que l'on pourra vous raconter sur les bienfaits du fédéralisme qui nous place en situation de minorité. La pleine maîtrise de la vie politique d'un peuple est un objectif qui est toujours valable, car agir par soi-même, pour un individu comme pour un peuple, c'est une source d'enrichissement indispensable et de progrès. Continuons le combat qui dure depuis 175 ans et saluons tous les patriotes qui ont continué le combat pour l'indépendance du Québec. Rappelons-nous de ceux qui, depuis Papineau et Delormier jusqu'à Pierre Bourgault et Pierre Falardeau, ont cru à notre combat pour la liberté et ont combattu les défaitistes. Je suis convaincu que nous vaincrons un jour. Vive l'indépendance du Québec et travaillons à l'unité pour réussir l'émancipation du Québec. Alors, le réseau Cap sur l'indépendance encourage les citoyens à participer aux activités qui sont organisées dans le cadre de la Journée nationale des Patriotes. Il y a plusieurs activités qui sont organisées par des groupes membres de Cap sur l'indépendance. Le 19 mai, on a le Mouvement souverainiste du Québec qui, en soirée, tient une activité, la Veillée du Patriote, qui est un spectacle. Lors de la Journée des Patriotes, le 21 mai, il y aura également une marche qui débute à 12h30 à la Place du Canada, que nous avons renommée la Place de l'Indépendance, et qui est organisée par les Jeunes Patriotes du Québec. S'en suivra un spectacle dans le Vieux-Montréal avec Alexandre Béliard et Loco Locas. C'est co-organisé par les Jeunes Patriotes, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal et le Mouvement national des Québécois. En soirée, il y a un autre événement qui est le Gala des Patriotes du Rassemblement pour un pays souverain. Alors voilà, je souhaite à tous une excellente Journée nationale des Patriotes et pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le site capsonindépendance.org.